À l'est de l'Amérique du Nord, la mer devient rivière et prend le nom de Saint-Laurent. Qu'on l'appelle fleuve, golfe ou estuaire, il s'élance et se faufile pour pénétrer les terres et relier comme une artère l'océan Atlantique au cœur du continent. Les Premières Nations l'appelaient « le chemin qui marche ». Et le Saint-Laurent est demeuré une voie majeure où des milliers de vies se rejoignent. Née d'ici ou d'ailleurs, après de longs voyages, elle se rassemble autour de ses îles, au pied de son rivage, pour habiter chacun des traits de son visage. Les humains qui l'habitent l'appellent mer et vous diront que le fleuve est fait de la même eau qui coule dans leurs veines depuis le jour où leurs ancêtres, embarqués pour la pêche, en ont rapporté des mythes et des amours et que leur histoire est devenue, comme le fleuve, un des chemins de la mer. Au rythme des mois, le Saint-Laurent change de visage. Chaque saison, un masque nouveau qui cache au regard l'essentiel de la beauté et des richesses qui vivent enfermées dans ses eaux comme en une voûte. C'est dans ce jardin, sous la surface, de l'autre côté du miroir, que le Saint-Laurent cache des êtres fabuleux. Mollusques, crustacés, poissons et mammifères, dont la diversité se perpétue depuis des millénaires, dans une harmonie de couleurs, comme si les saisons s'étaient figées dans une nuit d'automne. Avec l'arrivée du printemps et le départ progressif des glaces, le Saint-Laurent connaît une explosion de vie végétale et animale, d'êtres microscopiques qui nourrissent à leur tour la multitude des poissons. Cette abondance appelle le retour d'une dizaine d'espèces de cétacés qui se pressent aux portes du Saint-Laurent. Pour ces grands nomades, le temps est venu de refaire le plein d'énergie. Au cœur de cette explosion de vie, il y a le krill. Ces petits crustacés semblables à des crevettes et qu'on appelle euphysides s'accumulent en nuages denses qui constituent une nourriture de choix pour de nombreuses espèces aquatiques à divers maillons de la chaîne alimentaire. Et en particulier, le krill est la nourriture préférée du plus grand animal de tous les temps. Le rorqual bleu, le plus imposant de tous les animaux de la Terre, près de 30 mètres, 100 tonnes de puissance et de grâce. La diète du rorqual bleu est constituée presque exclusivement de krill. En une seule journée, il peut engouffrer jusqu'à 4 tonnes de ces petits crustacés d'à peine quelques centimètres de long. C'est en filtrant l'eau et la nourriture à travers ses fanons que le rorqual bleu se nourrit. Cette technique d'alimentation est commune à tous les rorquals qu'on regroupe sous le nom de baleine à fanons ou mysticètes. Le petit rorqual est un des premiers à revenir au printemps. Rapide, il peut s'attaquer aux bancs de petits poissons comme le caplan ou les perlans qu'il repousse contre la surface. Les fanons constituent un organe de filtration. Inséré dans la mâchoire supérieure, il laisse passer l'eau mais emprisonne la nourriture à l'intérieur de la bouche. Le rorqual à bosse est passé maître dans la capture des bancs de poissons. La gorge immense des rorquals présente une série de sillons qui s'allongent jusqu'au ventre. Ces sillons peuvent se distendre pour engouffrer un immense volume d'eau et de nourriture. L'eau est ensuite expulsée à travers les fanons et le rorqual n'a plus qu'à avaler ses proies avant de repartir en chasse.
Le rorqual commun est une des espèces de baleines qui exploitent intensément les richesses du Saint-Laurent. Malgré ses 18 mètres de longueur et son poids pouvant atteindre les 50 tonnes, il n'est pas rare de le voir se projeter toute gueule ouverte sur les bancs de krill ou de petits poissons. Pour mieux comprendre les baleines du Saint-Laurent, il est nécessaire d'étudier les proies dont elles se nourrissent. À bord du navire océanographique Le Parizo, les chercheurs du ministère des Pêches et des Océans du Canada utilisent des sondes qui balayent les couches d'eau avec des ondes sonores et repèrent les concentrations de crustacés et de poissons. Parallèlement, des biologistes en poste sur le pont du navire effectuent l'inventaire des mammifères marins observés dans la zone d'étude. Leurs observations permettront d'identifier les différentes espèces de baleines qui fréquentent ces aires d'alimentation. Avec des filets d'échantillonnage, les scientifiques vérifient le type et le nombre d'organismes dans les essaims détectés par les sondes. Ils peuvent ainsi évaluer et cartographier la nourriture qui est disponible pour les baleines. La description de la dispersion des différentes espèces de proies permet de mieux comprendre les déplacements des rorquals communs dans le Saint-Laurent. L'accumulation de krill dans des secteurs précis de la fosse sous-marine du chenal laurentien entraîne inévitablement le regroupement des prédateurs de ces petits crustacés. Les rorquals communs profitent de cette abondance de krill et de petits poissons pour refaire leurs réserves d'énergie. Chaque rorqual commun doit engouffrer près d'une tonne de cette nourriture quotidiennement. Pendant l'été, toutes ces activités seront donc dirigées vers la quête de nourriture. Malgré l'aspect spectaculaire de ces repas pris ici en surface, l'alimentation se produit généralement sous l'eau, où se déroule plus de 80% de la vie de ces géants. Afin de comprendre les comportements des rorquals communs et connaître leurs besoins, les scientifiques doivent suivre les animaux dans leur monde sous-marin.
Un émetteur radio fixé sur le dos de l'animal à l'aide d'une ventouse permettra de dresser le bilan d'activité des rorquals communs. Cet émetteur trace avec précision les différentes routes empruntées par l'animal, tout en renseignant les biologistes sur la durée et la profondeur des plongées. L'appareil se détachera de lui-même après quelque temps sans blesser la baleine. La présence des baleines en été correspond au début de la saison touristique pour les petits villages côtiers du Québec. L'industrie de l'observation des baleines s'est développée de façon exceptionnelle au cours des dernières années. Mais quelle est l'influence des bateaux d'observation sur le comportement des baleines? Bien qu'il soit difficile de mesurer l'impact de cette industrie sur les baleines, nous devons nous assurer que cette activité soit faite dans le plus grand respect des animaux. Les nouvelles connaissances acquises serviront à mieux encadrer les activités d'observation en mer à l'intérieur des limites du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Ce premier parc marin au Québec, réparti sur environ 1200 km², est voué à la protection, la conservation et la mise en valeur de ce territoire aquatique unique. Parce que ce parc marin figure parmi les secteurs les plus fréquentés par les baleines, une équipe de gardes de parc et d'agents des pêches effectue régulièrement des missions de surveillance pour voir au respect des lois, règlements et codes d'éthique sur le contrôle des approches par les excursionnistes et les plaisanciers. Du miroir, au cœur des sombres profondeurs, un autre monde s'active. Un monde méconnu, secret, où le mystère de la vie demeure entier. Les scientifiques du parc marin effectuent des recherches et assurent un suivi rigoureux des ressources sous-marines. Sur le littoral sous-marin, les plongeurs du parc procèdent à un recensement minutieux de la faune et de la flore contenue à l'intérieur de certaines zones d'échantillons présélectionnées. Ces informations reliées à des données de profondeur, de température et de pente du relief permettent aux chercheurs de dresser des cartes détaillées et ainsi suivre l'évolution des paysages sous-marins. «
Ces connaissances seront au cœur de la gestion des ressources et permettront d'adopter des mesures de protection et de conservation de l'habitat qui toucheront l'ensemble de la diversité biologique, de l'algue microscopique au plus grand de tous les géants. Richard Sears est un des pionniers de la recherche sur les baleines du Saint-Laurent. Son espèce de prédilection est le rorqual bleu. À son arrivée dans le secteur des îles Mingan en 1979, le scientifique s'est donné un défi de taille. Identifier individuellement par photographie toutes les baleines bleues du Saint-Laurent. La pigmentation de la peau du rorqual bleu est une mosaïque de taches et de tons. En examinant des photos du flanc et du dos, les biologistes sont maintenant en mesure de reconnaître des individus. Chaque baleine bleue possède une pigmentation unique, une signature dont la photographie permettra de reconnaître l'animal dans le temps. Reconnaître des individus est une étape essentielle à toute étude comportementale. À ce jour, la photo-identification a permis d'identifier plus de 300 baleines bleues distinctes dans le Saint-Laurent. Pour en apprendre davantage sur la petite histoire de chacune des baleines identifiées, les scientifiques sont maintenant en mesure de classifier génétiquement le stock de rorqual bleu du Saint-Laurent et de remonter la filière généalogique des animaux. À l'aide d'une arbalète munie d'une fléchette à dards creux, le scientifique effectue une biopsie superficielle qui sera sans conséquence pour l'animal. L'analyse génétique des cellules de la peau permettra d'identifier le sexe de la baleine et certains de ses gènes. L'échantillon de gras servira au dépistage et à l'étude des produits toxiques accumulés par la baleine au cours de sa vie. Le rorqual bleu est un animal nomade. Malgré les efforts soutenus des biologistes, la plus grande créature de tous les temps sait se faire discrète. Largement répandu dans presque tous les océans, sa distribution était bien connue des chasseurs. Mais depuis l'arrêt de la chasse en 1955, les observations se sont faites de plus en plus rares. Même si le Saint-Laurent est un des meilleurs sites d'observation au monde pour cette espèce, nul ne sait avec précision où vont les rorquals bleus lorsqu'ils quittent le Saint-Laurent. De toutes les grandes baleines qui fréquentent le Saint-Laurent, seuls les rorquals à bosse ont des routes migratoires connues. En repérant les rorquals à bosse identifiés d'après la partie ventrale de leur queue, les biologistes ont pu découvrir leur lieu d'hivernage. Ceux de l'Atlantique se regroupent dans les eaux chaudes des Caraïbes pour la saison de reproduction. Chaque année, le banc d'argent au large de la République dominicaine accueille les rorquals à bosse de l'Atlantique Nord-Ouest. Dans le Pacifique Nord-Est, c'est autour des îles d'Hawaï que se regroupe la majorité des baleines à bosse. Les eaux chaudes et limpides des mers du Sud, où viennent les rorquals à bosse en hiver, sont plutôt pauvres en nourriture. Durant cette saison, l'essentiel de l'énergie emmagasinée dans les réserves de graisse des animaux servira à assurer leur survie et à perpétuer l'espèce. Parce que l'hiver, chez les rorquals à bosse, c'est la saison de reproduction.
Le Rorka Labos possède un des chants les plus évolués du règne animal. C'est autour de ce chant, mystérieux et envoûtant, que s'élabore toute la stratégie de cour des mâles. Des études acoustiques ont permis de connaître la structure détaillée du chant des mâles, mais nul n'en connaît encore la signification exacte. Dans le monde animal, la reproduction est soumise aux lois de la sélection naturelle. Pour les mâles engagés dans cette compétition féroce, c'est la loi du plus fort. Les démonstrations d'agilité et de puissance semblent alors jouer un rôle important dans la sélection des partenaires. Pendant plusieurs semaines, au cours de l'hiver, des mâles se rassemblent et se livrent entre eux de véritables combats pour déterminer leur rang au sein du groupe. Le but ultime de ces confrontations, se positionner le plus près possible de la femelle et chasser tous les autres mâles qui désirent eux aussi occuper cette position. De ces affrontements souvent violents, un seul mâle sortira grand vainqueur. Il deviendra alors l'escorte de la femelle. Pour les biologistes, l'étude des comportements de reproduction doit d'abord s'amorcer en surface. Après avoir photo-identifié les Rorka Labos d'un groupe d'études, les scientifiques seront en mesure de reconnaître ces mêmes individus sous l'eau en comparant les différents patrons de pigmentation de leur queue. Les mers du sud aux eaux chaudes et cristallines offrent une fenêtre d'étude exceptionnelle permettant de jeter un regard discret sur l'univers de nos derniers géants. Thank you.
C'est en partageant cet environnement sous-marin que les scientifiques ont pu observer le grand ballet aquatique des Rorquals à bosse. Cette danse gracieuse, centrée autour d'une femelle, contraste avec la violence des combats préparatoires des mâles. L'explication en est encore au stade d'hypothèse, mais certains biologistes pensent que ces arabesques pourraient être une manifestation de consentement réciproque, une espèce de prélude à la reproduction. Toutefois, le mystère demeure entier, puisqu'aucune scène d'accouplement n'a encore été observée chez cette espèce. L'approche d'un mâle vers cette femelle stimule ici son érection, un comportement rare qui ravive l'espoir des scientifiques de pouvoir un jour comprendre le déroulement de la reproduction chez le Rorqual à bosse. Bien qu'aucune mise bas n'ait encore été observée dans les lieux d'hivernage des Rorquals à bosse, tout porte à croire que c'est dans ces eaux ou à proximité que les jeunes voient le jour. Les femelles ont une période de gestation de 12 mois et la petite taille de certains jeunes corrobore la vraisemblance de cette hypothèse. Après sa naissance, le jeune accompagnera sa mère jusqu'à la fin de son sevrage. Pendant cette période de près d'un an, le veau se nourrira du lait maternel, riche en protéines et en matières grasses. À la fin de l'hiver, le baleineau sera aussi du voyage vers les eaux froides et riches du nord, où la mer ira refaire ses réserves énergétiques. Sur le Saint-Laurent, l'hiver est synonyme de glace. Une glace abondante, en perpétuel mouvement et qui, à première vue, semble être un obstacle majeur pour des mammifères tels les baleines qui doivent remonter à la surface pour respirer. Pourtant, depuis quelques années, les observations de rorquals bleus ont été de plus en plus régulières en hiver. On les voit frayer leur chemin en remontant pour respirer dans les ouvertures naturelles qui se forment dans les champs de glace. Ces nouvelles observations défient la thèse voulant que toutes les grandes baleines quittent le Saint-Laurent en hiver. S'agit-il d'animaux tardifs ou de simples exceptions à la règle? Et comment arrive-t-il à repérer les mares d'eau libre ou à les respirer? Bientôt, le miroir, un moment entrouvert, se referme au moment où la baleine bleue replonge au cœur du Saint-Laurent, emmenant avec elle d'autres mystères que la science devra essayer de résoudre. Au printemps, le réchauffement graduel libère le Saint-Laurent de sa couverture de glace. Pour les pêcheurs, c'est l'appel de la mer, une mer abondante et généreuse. Pour plusieurs espèces, comme le caplan, c'est le moment de frayer. Les riverains attendent avec impatience ce signe d'arrivée du printemps. Le jeu des courants et des marées qui mélangent la colonne d'eau ramène des éléments nutritifs à la surface. Dans la lumière du soleil printanier, des algues microscopiques connaissent une explosion de croissance appelée bloom phytoplanctonique. Cette nourriture abondante engendre une production de petits organismes qui nourriront à leur tour tous les niveaux de la chaîne alimentaire.
La loi de la sélection naturelle veut que les plus forts l'emportent, et dans la nature, la mort des uns a toujours servi à favoriser la croissance des autres. Mais peut-on encore parler d'équilibre, d'harmonie naturelle, quand le savoir des hommes est mis à profit de façon ambitieuse contre les lois naturelles? Le partage des richesses entre les espèces fait nécessairement appel à la compétition. Et qui parle de compétition parle obligatoirement de victimes. Okay, and when did you find it? Le docteur John Lynn de l'Université Memorial à Terre-Neuve connaît bien cette compétition entre deux grands consommateurs des richesses de la mer. Son équipe et lui ont rapporté plus de 800 baleines prises dans des filets depuis 1979 dans la seule région de Terre-Neuve. L'équipe du Dr Lynn a mis sur pied un centre de sauvetage qui travaille en collaboration avec les associations de pêcheurs. Cette entraide est essentielle puisque le temps de réaction de l'équipe est déterminant pour la réussite de l'opération. Ce Rorca la bosse a eu de la chance. Libéré des filets, il devra toutefois repartir en chasse contre ses proies, de petits poissons qui font aussi l'envie des hommes. Le marsouin commun est une espèce fréquemment prisonnière des filets de pêche. La plus petite baleine du Saint-Laurent ne possède pas la force nécessaire pour remonter à la surface. Emprisonné, l'animal mourra noyé. Malgré les efforts de l'équipe de sauvetage, chaque année des baleines meurent victimes des filets de pêche. Avec le moratoire canadien sur la pêche aux poissons de fond, le nombre de filets a considérablement diminué au cours des dernières années. Mais ce n'est qu'un sursis pour les baleines de la région de Terre-Neuve. Le Saint-Laurent, c'est aussi une gigantesque voie maritime empruntée par des navires du monde entier. Le trafic maritime peut également constituer un piège mortel pour ces grands migrateurs qui partagent cette route fluviale entre l'océan Atlantique et les grands centres urbains nord-américains. La mort, sous toutes ses formes, par insouciance, par négligence, par inconscience. Mais les pièges de la mer, tout comme la mort, peuvent aussi être naturels. L'homme mis à part, les grandes baleines n'ont qu'un seul prédateur. Les polars. Le petit rorqual, bien que rapide, constitue une cible de choix pour les épaulards dans le golfe du Saint-Laurent. Les épaulards attaquent surtout en meute, encerclant leur proie de toutes parts avant l'assaut final.
C'est habituellement à la gorge, là où se trouvent les sillons ventraux, que le coup fatal sera donné. Cette partie tendre et flexible offre moins de résistance et facilite l'immobilisation de la proie. Avec ses dents fortes et acérées, les polars arrachent la chair en lambeaux et l'avalent sans la mastiquer. Les épaulards sont des prédateurs naturels des baleines, des phoques et de certaines espèces de poissons. Ils peuvent même s'attaquer aux oiseaux marins. Comme tous les prédateurs, les polars jouent un rôle important au sein de la pyramide alimentaire et favorisent l'équilibre entre les espèces. Le béluga, comme les polars, fait partie du groupe des odontocètes ou baleines à dents. Il se nourrit de poissons, de mollusques et de crustacés qu'il aspire et retient avec ses dents en forme de canine pour ensuite les gober individuellement. Pour s'orienter ou capturer leur proie, les odontocètes utilisent des ultrasons. Ce mode sensoriel, appelé écholocation, agite à la manière d'un sonar. Une masse de tissu adipeux et fibreux sur le dessus du crâne, appelé melon, se contracte et dirige les sons produits dans les conduits nasaux. Ces ondes sonores sont réfléchies et reviennent à l'animal qui les perçoit, les analyse et obtient ainsi une image mentale de ce qui se trouve devant lui, même dans la noirceur la plus totale. Le béluga est la seule espèce de baleine qui réside toute l'année dans le Saint-Laurent. Ce troupeau, isolé des autres populations du Nord et de l'Arctique, fait partie du décor maritime du Saint-Laurent depuis des milliers d'années. Mais l'avenir du béluga dans le Saint-Laurent est compromis. La chasse passée a contribué au déclin de la population et la dégradation générale de son habitat menace maintenant son rétablissement. Les travaux du docteur Pierre Bellon et de son équipe, effectués à partir d'examens de bélugas morts retrouvés sur les rives, ont permis d'identifier des taux anormalement élevés de contaminants et des pathologies inquiétantes. Les contaminants déversés dans le Saint-Laurent, parce qu'ils sont difficilement biodégradables, s'accumulent de façon exponentielle à chaque palier de la pyramide alimentaire. Le béluga, en se nourrissant à un niveau supérieur de la chaîne, ingère et accumule des concentrations élevées de produits toxiques qui compromettent sérieusement ses chances de rétablissement. Les tentatives de sauvetage de deux jeunes bélugas naissants ont permis d'en apprendre davantage sur le processus d'accumulation des contaminants chez les nouveau-nés. Recueillis à proximité du rivage, chacun des deux veaux était seul. Abandonnée par sa mère, probablement elle-même en difficulté ou déjà morte. Transportés l'un à l'aquarium de Québec et l'autre au biodôme de Montréal, les deux jeunes bélugas n'ont pas survécu. Dans les deux cas, une malformation de l'appareil respiratoire était à l'origine de la mort. Ces deux veaux étaient nés prématurément et dans leur milieu naturel, leur sort aurait sans doute été identique. Thank you.
Les autopsies ont aussi révélé des concentrations importantes de produits toxiques chez ces bélugas naissants, ce qui confirme l'hypothèse voulant qu'il y ait passage de contaminants de la mère au jeune avant la naissance. L'état de santé de la population des bélugas du Saint-Laurent est inquiétant. Le biologiste Robert Michaud est responsable d'une importante étude visant à décrire la structure sociale du béluga afin de mieux comprendre ses besoins. La coloration uniforme du béluga ne permet pas d'identifier les individus comme on le fait pour les rorquals. Mais le groupe de recherche a identifié près du quart de la population des bélugas du Saint-Laurent en photographiant des marques, des malformations ou des cicatrices distinctives. Les bélugas sont des animaux sociaux. Robert Michaud soupçonne qu'ils pourraient être regroupés en clans et former des associations durables. Afin d'établir les liens de parenté entre les individus connus, il prélève des biopsies. L'analyse des gènes extraits de ces échantillons permettra de déterminer le sexe des bélugas tout en dressant les liens de parenté entre les individus. Ces biopsies permettront aussi de mesurer les produits toxiques et étudier leur accumulation dans le temps chez des animaux connus. Ces résultats d'études permettront sans doute de mieux comprendre les problèmes qui affectent la réhabilitation du béluga dans le Saint-Laurent. Mais la solution, celle des problèmes environnementaux en général, repose encore et toujours entre les mains de tous et chacun dans notre façon de partager l'environnement, de faire les choix sociaux qui respecteront la vie sous toutes ses formes. Le Saint-Laurent accueille aussi d'autres espèces de baleines à dents comme le dauphin à flanc blanc et le dauphin à nez blanc. Physiologiquement semblables aux autres espèces de dauphins qui vivent plus au sud, leur taille est toutefois légèrement supérieure. Les dauphins à flanc blanc sont de véritables acrobates. Rapides, ils se lancent à la poursuite de poissons qu'ils capturent un à un. Le plus imposant spécimen du groupe des baleines à dents est un visiteur de plus en plus régulier dans le Saint-Laurent. Le cachalot macrocéphale. Avec ses 15 mètres de longueur, et un poids pouvant atteindre les 40 tonnes, on reconnaît facilement le cachalot à son souffle oblique. Il se nourrit principalement de calmars qu'il peut aller chercher à de grandes profondeurs. Dans l'océan, on sait qu'il plonge à plus de 1000 mètres. Longtemps chassé dans toutes les mers du monde, il est maintenant protégé par une entente internationale conclue en 1986. Aux portes du Saint-Laurent, la baie de Fundy constitue un véritable sanctuaire pour la baleine noire ou baleine franche. Autrefois considérée comme l'une des espèces les plus abondantes de l'Atlantique Nord-Ouest, sa présence dans le Saint-Laurent est aujourd'hui exceptionnelle. Cette baleine peu farouche était une proie facile pour les baleiniers. La chasse abusive a fait crouler sa population au seuil limite de la disparition.
L'activité baleinière des siècles derniers est responsable du déclin dramatique de la plupart des espèces de cétacés. Chassées dans tous les océans du monde, les baleines n'étaient autrefois qu'une ressource à exploiter, qu'un amas de chair à consommer, qu'une montagne de graisse à fondre pour en retirer une huile précieuse. Si certaines populations semblent aujourd'hui se remettre de ce passé sanglant, d'autres, comme la baleine franche, dont le nombre a été réduit à presque rien, ne se remettront peut-être jamais des abus de nos chasseurs d'hier. On estime aujourd'hui la population entière des baleines franches de l'Atlantique Nord à quelques centaines d'individus. Les comportements de reproduction observés ce jour-là pourraient susciter un mince espoir quant à leurs chances de survie. Mais l'optimisme ne gagne pas les scientifiques facilement. On ignore toujours si la diversité génétique des survivants sera suffisante pour sauvegarder l'espèce. Bien que protégée depuis 1937, la baleine franche n'a toujours pas montré de signe de rétablissement et demeure encore en danger d'extinction imminente. Les relations entre l'homme et les baleines ont changé. Pour un nombre de plus en plus grand de gens, les baleines sont devenues les symboles d'une société en quête de changements profonds. Au fil des années, au gré des rencontres, une étrange relation s'est créée. À travers certaines rencontres exceptionnelles, des ambassadeurs, comme ce Rorqual à bosse nommé Nocturne, viennent nous rappeler les grands défis de protection et de conservation auxquels nous sommes tous confrontés. Si la science peut fournir certaines hypothèses quant aux enjeux environnementaux de demain, le vrai pouvoir de préserver l'héritage laissé aux générations futures est entre les mains de toute la société qui doit réapprendre à vivre en équilibre avec la nature. Car au-delà de la recherche et de la science, il y a cette vie toute simple qui ne demande qu'à cohabiter au cœur même de cet univers commun. Ne serait-il pas temps d'accorder à la vie, dans toutes ses formes, le respect qu'on lui doit ?